J'aime d'abord la bière, non? Et maintenant, quand il vient maintenant se demander la réconciliation, où est-ce qu'il est venu pour donner à la belle-mère? Mais c'est après que tu vas accepter qu'il vienne s'asseoir. Et non, comment? L'autre jour, il m'a tapé, non? Il n'a pas tapé, il n'a pas tapé. L'autre jour, il m'a tapé. Il m'a tapé ma fille. Non, Rémi. Donc aujourd'hui, là, quand il vient maintenant, on vient chez la belle-mère au Koto. Bras ballant. Pourquoi il se réconcilie? Sur quelle base? J'espère qu'il m'a tapé. En tout cas, la paix est bien. Ma mère ne doit plus décider de ma relation. C'est juste que je me suis fâchée parce que quand il m'a accepté avec l'enfant, normalement, s'il a déjà fait une bêtise dehors, il devait venir vers moi et me dire que non. Chérie, entre-temps, j'ai fait une bêtise. Oui, là maintenant, si je pouvais pardonner mon gars deux places avant que ça n'arrive même devant ma mère. Quand ça arrive déjà devant ma mère comme ça, c'est déjà comme si... Donc, c'est pour ça que je suis fâchée. Parce qu'au temps de nos aïeux, nos parents élevaient même les enfants de leur épouse dehors. Les enfants ne se rendaient même pas compte que celui-ci qui est là n'est pas mon frère, même père, même mère par exemple. Mais aujourd'hui, c'est le modernisme. Mais nous voulons seulement faire comprendre. Je veux faire comprendre à Tatiana ou à Stéphane que la vie ne finit pas comme ça. Parce qu'on ne sait pas, toute personne commet des erreurs et l'erreur est humaine. Bon, moi j'accepte la réconciliation que pour dire à Stéphane que la paix est bien. Qu'est-ce que toi, tu demandes à Stéphane pour pardonner, pour tolérer? Parce qu'au début, tu as évoqué le cœur, non, il devait bien. Toi, mais tu parles quoi comme ça, mon fils? Tu parles fort comme ça pour que deux personnes comprennent. Il connaît. Quand on vient chez la belle-mère pour faire la réconciliation, il connaît. Non, dis-moi, vu que je suis venu avec lui pour la réconciliation, ça veut dire que s'il doit participer, moi aussi, je dois l'aider parce qu'il m'a appelé pour que lui et moi vienne ensemble. Okay. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je voulais seulement lui dire qu'il y a le bar à côté. Il te donne la bière? Je bois. Mayang. Ok. Ta fille demande à ce que tu casses. À la santé. À la santé, oh. À la santé. Voilà. La bière, c'est que je bois, c'est pour que tu te réconcilies avec Tatiana. Donc, le meilleur est pour le... Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez trop attendu le retour de Stéphane avec la belle-mère. Genre, j'ai gâté son coup, tout le monde a dit que j'ai gâté son coup. Il a d'abord tenu à s'excuser pour le comportement qu'il a affiché. Je vous avais dit, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais après, l'homme il a visionné la vidéo, il a vu qu'il s'est mal comporté et tout. Le voilà, il vient d'arriver dans le quartier où tout s'est passé. Si vous remarquez bien, c'est ici que ça s'est passé. Il est venu me chercher parce que sa belle-mère, apparemment, elle est là-bas devant avec sa copine. Tu vois, donc on tient à réaliser un test retour pour que tous ensemble on voit comment la réconciliation s'est passée avec sa belle-mère. C'est comment, beau? Ça va. Ça va? Yep. Tu sais que ça va? Yep, ça va, non? Tu as voulu me finir avec moi la dernière fois? Mais je vais faire comment, père? C'est toi aussi quand même ta faute en partie, non? Non, attends. Quand même, il est vrai que c'est moi qui suis venu avec l'émission, tu vois. Du coup, est-ce que tu étais obligé de te comporter comme ça avec moi quand même? C'était sur le coup de la colère, non? Ouais. Mais bien après, toi, tu as vu que c'était pas bien? Ouais. Donc après la vidéo, parce que moi je suis parti, tu étais en colère, tu chauffais et tout. Là, tu rentres chez toi ou bien tu es parti avec ta copine. Comment ça s'est passé après que je suis parti? Bon, ça s'est pas mal passé. On s'est arrangé. Bon, j'ai voulu demander des excuses à la belle, mais pour ça que j'étais tenu informé pour que tu viennes. Ouais. On part ensemble à rendre vie pour essayer de s'excuser nous deux. Pour le comportement qu'on a affiché devant quelqu'un. Ouais, mais après, là, quand on a fini le tournage le jour, là, vu qu'elle a tiré Tatiana, elles sont parties. Elle est rentrée avec Tatiana quand même. Ouais, ils sont partis, non. Et toi, tu es rentré chez toi? Je suis arrivé là-bas pour essayer de m'excuser, mais vu qu'elle était en secours à Koye, elle a dit que non, c'est mieux qu'elle parte. Ah, et revienne après, oui. Mais tu m'as quand même appelé. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit tu es parti là-bas pour voir la gamme. Comme tu as encore me dire, ça s'est pas bien passé. Elle a demandé à ce que. Tout se passe comme ça a commencé, tu vois, voilà pourquoi tu m'as appelé. Et ils sont à quel niveau? Non, ils sont tous là, juste ici là devant. Ils sont là devant. Yep. Donc on va aller vers la grand-mère quand même et tout. Mais tu attends, il y a un truc que tu as eu à me préciser par téléphone, tu vois. Mm-hmm. Tu as dit quand Tatiana et toi vous êtes rencontrés, elle avait un enfant. Oui. Et pourquoi tu t'es engagé avec elle, Margaret? Son enfant t'est posé pas un problème? Non, elle aimait, non? Ouais. Oui, c'est pour ça qu'elle a accepté l'enfant parce qu'elle aime. Donc avec son enfant, tu as dit que ça ne posait pas un problème pour toi? Oui, ça ne posait pas un problème. Ok. Et la fille en question avec qui tu as mis en scène, est-ce que ça a confirmé qu'elle est en scène, la fille en question? Non, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore confirmé. Et elle alors, comment est-ce qu'elle et toi vous êtes connus avant Tatiana ou bien quand tu étais avec Tatiana? Quand j'étais avec
en fait, je dirais les deux en même temps. Les deux, tu dirais les deux au même moment? Oui. Ok, ok. Mais il y a plus connu la fille avant Tatiana. Oui. Donc, pas autour même deux semaines avant Tatiana, oui. Ok. Et quand tu étais en relation avec Tatiana, tu étais toujours en contact avec la fille en question? C'était trop du sourire entre vous deux ou bien c'était juste le sexe à part c'est et tout? Non, c'était juste le sexe. Mmh. Ok. Et actuellement, comme elle dit, elle est en scène, toi tu as géré ça comment? Les deux, tu as géré deux personnes comment? Mais elle peut gérer ou non? Ok. C'est moi-même qui a commencé, donc elle doit terminer. Mmh. Et tu m'as dit que cette fille en question, elle a le même cachet que toi? Mmh. C'est ça? Oui, oui. Ok. Donc du coup, on va aller vers ta belle-mère, tu vois, on va aller vers la belle-mère, on va voir comment ça s'est passé. Elle va nous dire ce qu'elle aussi en passe. Regarde, suis-nous avec la caméra, comme un gobo. Voilà Stéphane. Stéphane m'a appelé avec la vidéo qu'on a réalisée la dernière fois. Comme tout s'est gâté, tout est parti en vrille. Et toi, tu as vu comment il s'est empris à moi. C'est moi qui ai tout gâté, c'est moi qui ai gâté son couple. Il m'a dit bien après, il est venu à la maison après la vidéo. Tu étais sous colère, sous le colère, tu n'as pas voulu entendre qu'il parle et tout. Après, il est reparti. Mais vu qu'il tenait à sa copine, il m'a appelé. Il a demandé à ce que lui et moi on revienne vers toi, tu vois. Et c'est lui, il est venu me chercher là-bas parce qu'il m'a dit que vous étiez derrière là, quelque part. C'est à cause de ça qu'on a demandé, comme tout s'est passé devant ma caméra, j'ai décidé à ce qu'on arrange encore devant la caméra. Tu es la belle-mère, tu es la mater. Et d'après ce qui s'est passé, qu'est-ce que toi tu penses de ce qui s'est passé? C'est que j'aime d'abord la bière, non? Je sais, non, la mère, je sais que tu aimes d'abord la bière. Non? Et maintenant, quand il vient maintenant se demander la réconciliation, où est-ce qu'il est venu pour donner à la belle-mère? Mais c'est après que tu vas l'avoir accepté qu'il vienne s'asseoir. Et non, comment? L'autre jour, il m'a tapé, non? Il n'a pas tapé, il t'a pas tapé. L'autre jour, il m'a tapé. Il m'a tapé ma fille. Non, Rémi. Donc aujourd'hui là, quand il vient maintenant, on vient chez la belle-mère Wakoto, bras ballant, pour qu'il se réconcilie, sur quelle base? J'espère qu'il m'a tapé. En tout cas, la paix est bien. Ok, c'est justement pourquoi nous sommes venus avec toi, mais la paix mm-hmm. est bien. Et toi, Tatiana, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ok. Et Stéphane m'a dit quelque chose. Je vais me placer là. Stéphane m'a dit quelque chose. Il a dit, quand vous êtes connu, tu avais un enfant, tu oui. vois. Mais ça ne l'a pas empêché d'être avec toi, tu vois un peu, ça l'a pas empêché d'être avec toi, il t'a accepté avec ton enfant et tout, il t'a pas rejeté, mais le fait que tu as découvert la dernière fois que lui l'a mis une fille enceinte, toi ça t'a pas plu, et du coup il aimerait vraiment, lui et moi on aimerait savoir, est-ce que le fait qu'il a un enfant avec une autre fille, il va avoir un enfant avec une autre fille, te pousse à sorte de rompre la relation, est-ce que c'est ce que toi tu veux? Non, c'est pas ce que je veux. Alors c'est quoi donc le problème? Est-ce que c'est à un moment c'est la grand-mère qui doit, c'est ta mère qui doit vraiment décider de ta relation, toi aussi? Non, ma mère ne doit plus décider de ma relation. C'est juste que je me suis fâchée parce que quand il m'a accepté avec l'enfant, normalement s'il a déjà fait une bêtise dehors, il devait venir vers moi et me dire que non, chérie, entre temps j'ai fait une bêtise. Oui. Oui, là maintenant si je pouvais pardonner mon gars. Deux places avant que ça n'arrive même devant ma mère. Quand ça arrive déjà devant ma mère comme ça, c'est déjà comme si... Donc, okay. C'est pour ça que je suis fâchée. Okay, mais est-ce que toi aussi, tu pensais que le fait que lui, il a mis une fille en scène, il devait venir voir vous qui est la belle-mère pour vous dire, bon, comme je suis avec votre fille, je suis enceinte, notre fille dehors. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu es le mec, il vient t'annoncer la nouvelle? C'est... Quand, dès le départ, quand il a connu Tatiana, Tatiana avait déjà un enfant. Ok. Tatiana avait déjà un enfant. Tatiana ne lui a pas caché qu'elle a eu d'abord un ami avant et avoir un enfant. Dans les normes, il devait aussi dire la vérité à Tatiana. Mais comme il n'a pas dit la vérité à Tatiana, c'est ça qui m'a aussi énervé parce que quand tu avais ton ami ou ton mari ou ta camarade ou ta copine, vous devez faire plaidon, chacun dit la vérité à l'autre pour que les choses se passent dans les bons termes. Aujourd'hui, comme il est revenu chercher la réconciliation, c'est bien. Moi, les problèmes ne sont pas bien. La paix est bien. Stéphane, c'est aussi mon fils. Comme Tatiana est ma fille. Hein? Oui. Mais sauf qu'il dit, au début, il n'y avait pas ça. C'est bien après, pendant la relation, désolé, qu'il s'est retrouvé avec la fille et... C'est la fille qui l'annonce qu'elle est enceinte, mais il n'était pas encore prêt
à dire la vérité à, peut-être à Tatiana. Lui, il attendait peut-être que la fille accouche d'abord avant de dire la vérité. Sauf que c'est devant vous, grâce à mon émission, que tout a été révélé. Et la tension qui s'est dévoilée et tout. Il a juste profité de l'occasion pour qu'on... Mais bon, et toi, ça faisait combien de temps que tu étais avec cette fille? Peut-être presque 2 semaines, non. Et avant de commencer à connaître Tatiana. Donc tu l'as connu 2 semaines avant de rencontrer Tatiana. Ok. Mais tu n'as jamais dit à Tatiana que tu étais avec elle. Mm-hmm. Et c'est tu connaissais la fille? Oui, je connaissais la fille. Et depuis que tu étais avec ton gars, d'habitude, est-ce qu'elle venait à la maison? Vu que c'était une fille du quartier quand même. Bon, c'était la voisine. Elle venait à la maison, peut-être s'amuser, rentrer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Mate. Tu es la maman et c'est toi qui es mieux placé pour nous donner les conseils, nous qui sommes les jeunes. Est-ce que le fait qu'un garçon ait fait un enfant dehors avec une autre fille doit forcément pousser à une séparation de la relation? Parce que là, on doit trouver vraiment une solution pour ça. Non, ça ne doit pas pousser une séparation. Parce qu'au temps de nos aïeux, nos parents élevaient même les enfants de leur épouse dehors. Les enfants ne se rendaient même pas compte que celui-ci qui est là n'est pas mon frère, même père, même mère, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est le modernisme. Mais nous voulons seulement faire comprendre. Je veux faire comprendre à Tatiana ou à Stéphane que la vie ne finit pas comme ça. Parce qu'on ne sait pas, toute personne commet des erreurs. Et l'erreur est humaine. Bon, moi, j'accepte la réconciliation que pour dire à Stéphane que la paix est bien. C'est tout ce que toi, tu peux dire à Stéphane. Ok. Beau. Avec le mauvais comportement que tu as affiché derrière la main, devant ma caméra, envers moi aussi, qu'est-ce que toi tu peux dire pour présenter tes excuses à la gamine? Bon, moi je vais dire que je m'excuse pour mon comportement. Enlève les poches, enlève les mains dans les poches, devant ta belle-mère là. Voilà, il faut que tu sois poli, tu es devant la belle-mère. Ouais, non, t'écoute. Je voulais demander des excuses pour mon comportement, puisque c'était sur le coup de la colère juste. Et je m'excuse devant toi. Pour ce qui était fait en fait, tout un peu, non? Oui, c'est sûr. Ok. C'est bon. Okay. Et envers ta copine, il faut que toi, si tu présentes tes excuses, elle n'a pas dit la vérité. C'est aussi ça, parce qu'elle devait aussi savoir. À la base, elle t'avait fait comprendre qu'elle avait un enfant avant que tu t'engages avec elle. Donc, tu dois aussi présenter tes excuses à ta copine, c'est normal. Non, on va s'entendre après. Donc, toi, tu ne peux pas présenter tes excuses à ta copine, c'est là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu es quand même prête à accepter ses excuses et revenir avec lui, sachant que. Il attend un enfant d'une autre. Oui, mais c'est mon gars, l'amour est comme ça. J'ai déjà mis mon cœur, donc en plus, il m'a pris avec un enfant, donc je ne peux pas aussi refuser son enfant parce que son enfant, c'est mon enfant. Comme il te considère aussi avec ton enfant. Oui. Okay. Du coup, la mère, qu'est-ce que toi, tu demandes à Stéphane pour pardonner, pour tolérer? Parce qu'au début, tu as évoqué le cœur, non, il devait bien. Toi, mais tu parles quoi comme ça, mon fils? Tu parles fort comme ça pour que deux personnes comprennent. Il connaît. Quand on vient chez la belle mère pour faire la réconciliation, il connaît. Non, dis-moi, vu que je suis venu avec lui pour la réconciliation, ça veut dire que s'il doit participer, moi aussi, je dois l'aider parce qu'il m'a appelé pour que lui et moi vienne ensemble. Okay. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je voulais seulement lui dire qu'il y a le bar à côté. Il te donne la bière? Je bois pour arranger tout. Là, je lave les habits qu'il a salis. C'est tout ce que toi tu demandes. Mm-hmm. Bon. Il va me donner quoi? Quand je le regarde là, c'est la même génération avec Tatiana. Mm-hmm. Il va me donner quoi? Il va donner normalement, actuellement, il va repartir avec sa fille. Oui, pas. Mon problème, c'est qu'il me donne seulement la bière. Moi, même tu vois comment ta fille a été zoomée en sachant que son gars devait venir. Tu vas commencer à bien, non? Oui, moi déjà constaté ça. Ça veut dire qu'elle-même, dans son cœur, elle voulait la réconciliation, mais elle ne m'a pas dit, hein? Elle ne m'a pas dit qu'elle voulait la réconciliation avec Stéphane. Depuis ce temps-ci, je vois comment elle est belle, mais aujourd'hui, elle a encore fait fort. Elle est sortie avec son sac, ça veut dire qu'elle est prête à partir. Elle part déjà avec Stéphane. Ok. Comme tu as dit, tu veux ta bière. Tu as dit que tu veux ta bière. Ensemble, Stéphane et moi, ensemble, on va te donner la bière. Mm-hmm. C'est ça, non? Mm-hmm. Et qu'on va aller au bar. Mm-hmm. On part. On part. Moi, j'ai donné la bière à la matinée. On doit réconcilier le couple de Stéphane. Bon, comment go? Le cameraman va faire sonter la rive. Bokem. Qui sait, mettez la donner la chaise à la matière. Non, ici il y a trop le bois. Je mets faux sac là-bas.
non, ma fille. Tu vois pas comment mon bois vient, les gens veulent boire, voilà, pour acheter des choses. Bonsoir, ça, comment ça va? Ça va. Donnez la bière à la matin. La mère, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Vous vivez quoi? Tu demandes quoi comme ça, ma fille? Tout ce qui mousse, je bois. Okay. Elle, c'est une donne remède, elle, c'est une donne remède. Matin, on donne quoi? Tout ce qui mousse, je bois. Tu vois, si tu bois, Katina doit boire, Stéphane doit boire. La manière, ma fille. La manière, Katina, toi, c'est quoi? Et toi, c'est au nom glacé. Glacé. Mais moi, je ne bois pas. Je ne bois pas l'alcool. Tu ne bois pas bon, non, le jus, bois pas l'alcool. Non, il y a un bureau, il y a toi, il ne boit pas. Voilà. Tout doit se passer en direct. La réconciliation, c'est en direct. Donc voilà, mais elle a demandé sa bière. On donne la bière, boit. Là, maintenant, Tatiana part avec Stéphane. Voilà. Si, parce que depuis un temps, je vois Tatiana. Depuis le matin, je vois Tatiana bébé, mais elle m'a rien dit. Mais elle parle avec son gars, non, mais elle parle avec son gars. Elle m'a rien dit. Depuis là, vous m'insultez sur les réseaux, genre, je gâte les couples des gens. Voilà aussi, ça j'arrange. C'est quand j'ai gâté, j'arrange aussi. Voilà. Ok, Remé. Voilà. Tu ne bois pas. Il ne boit pas la main, voilà ta manière. Ok. Ta fille demande à ce que tu casses. À la santé. À la santé, oh. À la santé. Voilà. La bière, ce que je bois, c'est pour que tu te reconcilies avec Tatiana. Donc, le meilleur est pour le pire. Ok. Okay. Tatiana, tu supportes Stéphane. Stéphane, tu supportes Tatiana. Moi, je n'ai pas de problème, c'est normal que je me fâche. Mais aujourd'hui, je veux la paix. Là, quand tu vas partir avec Stéphane, vous faites même les triplés, même les quadruplés, vous faites être comme grand-mère. Normalement, grand-mère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La paix est bien, ma fille. Ah, mais j'ai quand même vu ta vidéo sur les réseaux. Parce ouais, que... j'ai vu mon fils. Ne te dérange pas. Je l'ai vu. Ok, parce que tu es une star. Mais tu es une star. Une star. Voilà, les amis. Je ne sais pas seulement gâté, j'arrange aussi. Nous tous ensemble, on a trouvé une solution. Voilà, Stéphane est avec sa go, avec sa belle-mère, tout se passe bien. Remé, tu bénis le couple, tu as béni le couple. Je bénis le couple, ne vous dérangez pas, j'arrête même les mains, je relis. Quoi? Certaines personnes vont penser que c'est la comédie, vous voyez, c'est en direct. Tatiana, ma fille, Stéphane, mon fils, tu es mon fils, Tatiana aussi est ma fille. Je voulais seulement dire que dans la vie, il y a les meilleurs et les bons moments et les mauvais moments. Il y a les moments que ça donne pas, il y a les moments que ça donne. Et que le diable ne vient pas vous séparer. Que la relation de ta copine d'ailleurs avec l'enfant ne vous gâte pas. Que vous soyez soudés. Que le diable n'entre pas parmi vous. Hein? Et s'il y a un problème, un souci, venez me voir. Sache que je suis ta mère, Stéphane. Tatiana, garde bien Stéphane parce que je ne veux plus de problèmes entre vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. Merci, Amen. Ok, les gars, merci d'avoir assisté à la réconciliation en direct. Tourne un peu la caméra, tu vois comment il y a les gens. J'ai assisté aussi à la réconciliation. Parce que ça s'est passé ici. Tout s'est passé ici, tout s'est commencé. Ils sont là aussi terminés. Je vous remercie. Tous ceux qui m'envoient les commentaires positifs, je vous remercie. Tous ceux qui m'insultent dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas que gâter le couple, j'arrange le couple. Quand il y a les malentendus, moi, j'essaie de mettre ça en exergue, tu vois. Si vous avez le truc que vous cachez dans votre téléphone, lors de mon émission, je lis ce que je vois. Si tu as le coup, tu as été reproché. Moi, dès le départ, je déteste, tu me dis que tu caches quelque chose, tu vois. Je suis venu, j'ai demandé tout filmer, comment ça s'est passé avec la mère. Elle a demandé sa bière, parce que c'était mon émission. Je paye avec ma poche. Stéphane, c'est mon petit frère. Je conseille comme je malgré le comportement qu'il a affiché la dernière fois, je ne pouvais pas frapper sur lui, vous l'avez toujours dit. J'ai participé comme je voulais pour réconcilier son couple. Vous avez vu ce que la mère a fait, sa belle-mère a fait. Sa belle-mère, c'est comme une comédienne, c'est une donne remise. C'est une donne remise. Donc, continuez à aimer mes vidéos, partager les vidéos, liker. Ceux qui veulent me contacter, si c'est sur TikTok, il y a mon numéro dans mon profil. Si c'est sur YouTube, il y a mon numéro dans la description. Prenez soin de vous. Moi, c'est Aziz. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais régler la facture des billets que j'ai eu à prendre. Je vous aime beaucoup, les gars. Merci.